Salut tout le monde! Coucou. Donc, c'est toujours le mélange avec sa petite femme qui vous commente donc mes parties en direct de The Mercenaries. Ouais, je le dis, c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos que je fais, mais je le dis pour les petits nouveaux qui nous me rejoignent. Voilà, on en arrive à Crozer, voyez l'équipement qu'il a. Un arc, des flèches, et voilà. Et des grenades flash. Donc là, on peut se dire que par rapport à l'équipement de Ada qui était très exhaustif, hein, c'est vrai qu'entre le TMP qui permet d'immobiliser pas mal d'ennemis, le pistolet qui est un peu plus précis, qui tire un peu de moyennement loin, le snipe qui fait quand même bien plaisir de tirer vachement loin et bien précis et bien faire mal, Léon, bon, le pompe et le pistolet, là on se retrouve juste avec un arc. Voilà, donc ça va être assez original comme façon de jouer. Continue, continue. Comme je voyais que tu voulais Oui, intervenir. mais continue. Et donc on va voir aussi la deuxième capacité de Crozer. Donc évidemment, lui a son couteau. On va se faire plaisir avec. Hein. Bon, on va se faire plaisir pour casser les caisses, évidemment. Mais ça fait plaisir de retrouver un couteau parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer au scénario principal, donc de jouer avec Léon, d'avoir le couteau et de se retrouver là, plus de couteau, comme pour le Separate, non pas le Separate Ways, le Assignment Ada, d'avoir le couteau, c'est vrai que ça handicape vite. Mais bon, là, vu qu'on est là pour faire du mass killing, donc on n'a pas à gagner du temps, enfin surtout des munitions, à découper les ennemis au sol. Ça va beaucoup mieux. Donc, tu voulais dire? Je voulais dire que Crozer il ressemble à Wesker. Ils ont un air de ressemblance. Crozer ressemble à Wesker. Regarde. Le nez, la bouche, la forme, à peu près la forme du visage. Sauf que Wesker il est tout en muscles et Crozer. Ah ouais, non, Wesker, ouais, voilà, c'est plutôt, Crozer. parce que là, si tu dis que Crozer il est frôlé par rapport à Wesker, d'accord. Crozer il est tout en muscles, Wesker, mais voilà. Moi je trouve que Wesker il a quand même le visage plus long, plus. La mâchoire beaucoup plus carrée, Crozer, il a la. Les arcades sourcilières beaucoup plus enfoncées, Mais Crozer. regarde la forme de la bouche et la forme du nez. Ça, je pense que même Léon a la même bouche, tu vois. Je pense qu'ils sont frères. Je pense surtout que, en fait, les programmeurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour faire un maximum de détails sans non plus tuer trop la mémoire du jeu. Donc, ils ont dû faire une bouche approximative et puis ça suffit. Bon, parce que, bon, Ada, évidemment, ils lui ont fait une bouche de femme, hein, ils lui ont fait une bouche pulpeuse. J'étais en train de frotter sur ton t-shirt, Oui. donc si ça fait du bruit, excusez-moi. Et bon, Hunk, hein, évidemment, là, il n'y a pas de problème, ça se voit pas. Donc, bon, la petite aparté, non, Crozer ne fait pas partie des frères Albert Wesker. de Albert Wesker. Sinon, peut-être par contre, petite parenthèse, dans les Umbrella Chronicles, ce que je me languis d'avoir, évidemment, Super Beyond 10 m'a montré les teasers japonais. On voit donc l'histoire entre Léon et Crozer, en fait, la mission qui fait qu'ils étaient camarades. Que dans le jeu. Oui, je te l'avais dit. Que dans le jeu, ils se disent ah, been a long time, camarade, etc. Ouais, d'accord. Sauf que c'est la première fois qu'on le découvre, quoi. Et en fait, ouais, Umbrella Chronicles, on va découvrir pourquoi Crozer et Léon se connaissent si bien. Bref, on a beaucoup parlé, pas beaucoup d'action. Je suis désolé, on aurait pu parler en même temps qu'il y ait de l'action. Mais voilà, au moins vous êtes bien concentré sur Crozer. Et vous allez voir un peu sa capacité spéciale. Alors vous remarquez que déjà que son bras brille. Fume son bras, c'est qu'il pue. Ouais, c'est ça. Il fait un peu la gueule, il a perdu son béret. Et oh! Quoi? Transformation, le bras de Crozer! Quoi? Quoi? Alors voilà, en fait, Crozer a une petite attaque spéciale que je ne vais pas vous raconter, je vais juste vous le montrer. Comme ça, vous verrez mieux ce qui se passe, et à ce moment-là, je vous la commenterai après. Il a de ses cuisses. Ben, en même temps, je veux dire, t'as déjà vu des coureurs marathon? Non, même des coureurs tout court, parce que les coureurs marathon, peut-être moins, c'est parce qu'ils font plus marcher que courir. Ou ne serait-ce que des cyclistes, là, en ce moment, sur le Tour de France, tu regarderas. Tu regarderas la taille de leurs cuisses. Ils ont des cuisses, mais c'est même pas des autruches, et des autruches, ils peuvent se cacher derrière. C'est des cuissasses, mais c'est des trucs de malade. La cuisse, il faut savoir que c'est l'un des plus gros muscles qui existent sur le corps humain. Enfin, tout ce qui englobe là. On parlait pas des noms des muscles, hein, j'en sais rien du tout. Mais c'est ce qu'il y a de plus gros, hein, dès qu'on muscle ça grossit, mais alors une ampleur, c'est impressionnant. Allez, c'est parti. Donc, ah, bah, il nous a envoyé là, ça fait. C'est rare que je vienne dans ce coin-là du. Déjà, quand tu donnes un coup de couteau, c'est pas pareil, hein. Ah oui, c'est original. Bah, vu qu'il le tient à l'envers par rapport à Léon. Non, non, il est droitier, hein. Parce qu'en plus, il range bien son arc et tout, donc non, pas de soucis. Ah, Ouais.
Alors évidemment, hein, oui, ce n'est pas des explosifs, hein, comme on aurait pu croire. Bon, ça a des grandes chances de faire du one-shot. Et évidemment, la plupart des munitions que nous allons trouver, ce sont des flèches. Ça va être de temps en temps des grenades flash, mais ça va être majoritairement des flèches. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir avec les jumelles. Ben justement, c'est là où on verra la capacité spéciale de Crozer. Bon, le truc c'est que les jumelles, elles sont deux. La capacité spéciale, si j'arrive à avoir les deux, tant mieux, si j'en avoir qu'une, bon. Mais ce qu'il y a de bien avec les flèches, c'est que dans tous les cas, ça stoppe les noms. Le truc c'est qu'il faut savoir viser correctement. Allez, ramenez-vous. S'il vous plaît. Ah, c'est la même batterie. Ah bah oh. Ah bah oui. Les flèches, ça fait plus... Bah là, on se croirait vraiment à la Rambo, là. Ouais, mais l'autre, je l'ai pas tué encore. Putain, mais le bonus temps, ouais, vas-y, quoi. Putain, mais ils se prennent les flèches dans les têtes, même pas, ils meurent, les mecs. Parce que les flèches sont quand même censées être... Bon, ok, toi. Très puissante, quoi, hein, donc... dire, logiquement, j'ai pas à galérer comme ça. Ok. Alors oui, sur Aida, je me demandais aussi qu'il me restait encore une caisse pour avoir des bonus temps. Enfin, le multiplicateur de temps. Je vais y arriver. Multiplicateur de kill. Et oui, en fait, bah, juste derrière moi, le coffre, j'ai juste oublié. Enfin, bah, okay. Ouais. Donc, hop, on déclenche. Voilà. Donc j'ai... on cavale. Pas mal quand même, hein. Bah c'est du one shot, hein, c'est n'importe qui soit en face, c'est du one shot. Même le Water World, enfin, le boss du Water World, il fait que dalle face à ça. Alors vous voyez, c'est pas évident de jouer avec Crozer non plus, parce que bon, comme je vous disais, c'est faut déjà savoir viser. C'est une grande force d'avoir ce bras, hein, quand même pas mal de dégâts, parce que c'est du one shot, mais évidemment les flèches, il faut savoir les enquiller. Et comme vous pouvez le voir, je fais pas spécialement de bonus temps, donc en plus d'ailleurs il faudrait que je décide d'aller chercher du temps. Bon, c'est plus qu'une unité et demie. J'aimerais d'abord la tuer à elle. Voilà. Et vous voyez que finalement des flèches n'est pas tant que ça. Que 18. C'est pour ça qu'ils vous massent les flèches. Hein. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que les zombies ne meurent pas du premier coup. Là, c'est ça qui me fait chier. Parce que je n'ai pas beaucoup raté non plus, hein, faut pas exagérer. Allez, on va dire au revoir. Ah, oh putain, oui, joli. Je n'ai pas en avoir tué autant. Vous voyez, ils sont même pas morts sous par terre, quoi. Je veux dire, putain, c'est abusé, quoi, merde. Peut-être que tu sois plus pris. Non, mais bah, ouais, j'aimerais bien voir rouler la deuxième. Histoire d'essayer de réussir de les choper les deux en même temps. Mais si elles se séparent, ouais, ça va pas bien. Je vais essayer de... faire ça. Voilà, c'est ce et ça, voilà, impeccable. T'as pas peur, toi? Non, je suis confiant. Putain, tu fais mal au ventre, arrête. Je suis confiant. Donc voilà. Oui, je suis une fille qui prend même les jeux 3 coeurs. Ah oui, d'accord, t'étais un peu près, toi. Quand j'arrive au boss, j'ai des crampes d'estomac. Oh, tout le temps. Le pire, c'est que... Ah bah j'en doute pas, parce que quand on est jeune joueur, on va dire, que ce soit une expérience, hein, surtout, hein, je parle pas en âge, hein. On a toujours une appréhension quand on se retrouve face à des boss. Elle m'a fait peur, la traguelée, là, putain, je croyais que c'était la tronçonneuse qui était derrière moi. Bah, je vais aller récupérer le coffre. Elle devait pas toi, hein. Non, c'était pas elle. Elle est toute seule ?
Non, 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 c'est le deuxième, elle est sur la droite. Le problème, c'est que le temps de viser. Ah voilà, j'ai fait le même bruit. Voilà. Quand je visais, c'est fort pratique quand même. Oh, plus de place. Ouais, hop, hop, et hop. Oh là, la place est là. Ouais, faut que je me dépêche, j'ai récupéré le temps là-bas. Ah, une minute et demie. Ah, ça fait plaisir, ça tient. Par contre, je crois que j'ai plus de temps. Ouais. Donc, bah, l'escalier, là, on est bien, hein. Ça va, en plus, t'as pas d'angle mort, ils peuvent pas arriver de loin. Derrière toi. Ouais, voilà, c'est tout ça, ouais. La flash, on va la laisser où elle est, on s'en fout. Surtout que la grenade, t'en utilises pas beaucoup. Non, parce que les flashs, je n'ai pas vraiment l'utilité, ouais. Parce que pour l'instant, bah voilà, là, je vais m'en servir, pourquoi pas, et ça m'évitera de me forcer à viser pendant qu'elle est dans sa tête pour l'avoir. Mais sinon, ouais. En fait, voilà, la flash est surtout utile parce que, vu que Crozer, vous vous rendez compte de sa vitesse de tir, hein, ça permet donc justement d'immobiliser un peu les ennemis le temps que vous vous remettiez un peu à viser tout le monde et à les tuer. Même quand tu tiens la grenade, il fait la gueule, je sais pas si t'as remarqué. Eh ben, c'est la femme de Patrick Timsit. C'est l'ex la femme de Timsit. Il fait tout le temps la gueule. Ouais, là, j'aime les grenades flash pour ça. Si c'était que Patrick Timsit sur la vidéo, il sera content d'avoir fait une dédicace. Oui, 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 c'est grâce à ça que je vais avoir des milliards d'euros de bénéfices. Je vais surtout m'attaquer à lui, parce que je le cite sans. Non, ça va. Sans son accord. Hé hey. Comme tu vois les Red Hot Chili Peppers qui ont porté plainte à la série Californication parce que ça porte le même nom que leur chanson. Mais lui, ça a l'air d'être une personne assez cool, ça se voit sur ah, sa tête. Ah, ça t'en sais rien, ça. Oui, ça se voit sur sa tête. Oui, quand t'as son avocat qui vient de te parler aussi, je pense que tu dois être bien content de savoir si les gens ne sont pas. Ouais, non. Ça, je pense que les gens, quand ils. Bon, c'est après de lui, de sa part, j'en sais rien, mais quand les gens ils sont vénales, ils sont vénales. Hein. Ok, je sais pas si vous avez entendu, mais un petit klaxon aigu là qui vient de passer. C'est pas du tout ce que c'était. Donc vous voyez, hein, c'est pas mal. Bon, 84 640 quand même, hein, je veux dire. Tellement fait avec. Ah bah oui, là c'est vrai que j'ai vraiment niqué tous les records. Hein. Là, avec Aïda, vraiment. Alors belle image de film pour Crozer, hein, je trouve qu'elle est classe quand même. Ouais, elle est belle quand même, hein. Ils se sont pas foutus de notre gueule, hein. Mais je pense que ça doit être un peu en rapport donc avec cette histoire sur Humble Chronicles. Je pense que cette tenue de guerre, enfin ce camouflage de sens qu'au visage, le couteau et tout, je pense que ça doit être quand même. Et les cicatrices qu'il a. Voilà, les cicatrices qu'il a à l'œil. Je me languis vraiment vraiment d'y jouer pour ne serait-ce que découvrir l'histoire et vous la faire découvrir en même temps. Quand est-ce que ça sort en France, ouais. Ouais, je pense que la prochaine vidéo je vous le dirai. Même si Super Beyond 10 m'a dit que c'était sorti, enfin moi personnellement pour l'instant j'ai pas encore trouvé. Disons qu'on va au champ, en fait, il faudrait qu'on aille à la FNAC. À la FNAC il y a un grand choix de jeux vidéo aussi. Non, pas la FNAC, c'est surtout des voleurs. Enfin, je trouve après c'est mon. Ou Virgin. C'est le même acabit. Je pense que ça va être surtout sur internet qu'on va essayer de trouver ça. Déjà, je n'ai pas les moyens financiers pour le faire, parce que bon, je n'ai pas forcément les moyens. Et j'espère réussir à trouver d'ici là comment enregistrer à la PS3. S'il y en a qui ont des idées, vraiment n'hésitez pas, je suis désolé, j'ai quelques Super Beyond 10 qui me répondent. Mais s'il y en a d'autres qui regardent mes vidéos, qui sont minimum intéressés, n'hésitez pas vraiment à me parler, même si ce n'est qu'en commentaire sur les vidéos, que ce n'est pas forcément sur Facebook, ou si ça vous fait chier d'aller sur la page. Je peux comprendre, hein, je suis un peu de ce genre-là. N'hésitez pas à me le dire, vraiment ça m'aiderait beaucoup et parce que je n'en ai que d'une chose, c'est de vous faire le Resident Evil 5, vraiment. Ouais, vous allez m'entendre gueuler. Voilà, ça va vraiment être passionnant quoi. Après bon, les vidéos de Resident Evil 5 partout quoi. Et je pense qu'on a l'originalité d'être à deux pour le faire, donc ça. Voilà, ce serait marrant. Ben voilà, ben sur ce, ben on va vous dire à la prochaine. Non, pas tout de suite à la prochaine pour la prochaine vidéo, donc la prochaine vidéo ce sera le château avec Crozer.
Ce qui va pas être évident à l'arc face à l'aveugle. Voilà, hein, vous voyez pas le style. Et si tu fais le bras sur le... Non. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a le bras. Oui. Non, parce que là, je voyais que l'équipement dans la valise, mais voilà. Oui, en fait, oui. Enfin, Wesker, il y a... Non, Wesker. Krauser ne craint aucun boss. Voilà, donc lui, il a son bras magique. Voilà, voilà. Donc, ben, finalement, ben, oui, on en arrive bien à... Hein. On vous dit à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.